Bonjour, je suis Kevin Yobo, coach en développement personnel, expert en rupture amoureuse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas surtout à cliquer sur le lien dans ma description pour bénéficier d'un coaching gratuit d'1 heure avec moi. Si vous passez actuellement par un divorce, si vous passez actuellement par une rupture amoureuse difficile, sachez que je suis là pour vous aider et pour vous accompagner. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une news qui est tombée il n'y a pas très longtemps. Un des couples les plus stables du Royaume-Britannique vient de divorcer. Cela a été confirmé par Buckingham Palace dans une déclaration auprès d'un magazine officiel. C'est un énième divorce qui intervient dans la famille royale, après celui de Lady Diana et du prince Charles, après celui de Prince Andrew et de Sarah Ferguson. C'est aujourd'hui Lady Davina et Gary Lewis qui sont en train de divorcer. Deux ex-époux étaient mariés depuis 2004. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Pourquoi, Kevin, tu me parles d'un divorce dans la famille royale britannique? Ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que il ne faut pas considérer notre relation ou notre mariage comme un acquis. Notre mariage n'est jamais acquis. Ni la gloire, ni l'argent, ni la réputation, ni la célébrité sont des éléments qui nous garantissent que notre mariage va tenir sur la durée. Aimer est la plus belle chose au monde. Le sentiment d'être aimé, le sentiment de pouvoir aimer quelqu'un, pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Mais c'est aussi la plus risquée. Il ne faut jamais cesser d'apprendre à aimer notre conjoint. Il ne faut jamais cesser d'apprendre à s'aimer soi-même, à investir dans notre relation, à investir en nous-mêmes. Et la vérité, c'est que personne n'est à l'abri d'un divorce. Si aujourd'hui vous êtes marié, prenez soin de vous, prenez soin de votre conjoint. Je ne connais pas les raisons de leur divorce, mais une des choses qui m'inspire dans cette situation de vous partager, c'est de ne jamais arrêter d'investir en vous et d'investir dans votre mariage. Si actuellement vous passez par un divorce, si actuellement vous passez par une rupture amoureuse difficile, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous offert avec moi. On en parle ensemble. Je ferai un plaisir de vous aider et de vous accompagner. Je vous souhaite une excellente journée. Love.